Laurent Levaux, bonjour. Alors, vous êtes CEO de Avia Partner. Pas l'ombre d'une hésitation quand on vous a demandé de participer dans un cours de stratégie internationale. Pourquoi? Deux raisons. Tout d'abord, parce que c'était ici à Liège, à ce HEC-ULG, donc une école qui m'est chère, puisque j'y ai donné cours de stratégie pendant une dizaine d'années. Mais deuxièmement aussi, de par mon histoire, et notamment 10 années chez McKinsey en tant que partenaire, bon, évidemment, rendu la stratégie particulièrement amusante. Vous venez déjà d'évoquer un petit peu votre carrière. Le reste, à part McKinsey et votre activité de professeur ici à HEC. Le malheur a fait que finalement ma carrière s'est résumée à devoir m'occuper de sociétés, je dirais, en grande difficulté, qu'avec beaucoup de chance et d'excellentes équipes, j'ai pu, chaque fois jusqu'à maintenant, en tout cas, remettre en ordre. Et on peut dire que vous avez le virus du serial entrepreneur? Non, je crois que sériel, en tout cas du multiple, sériel on verra, parce qu'il y a un moment où on a envie un petit peu aussi de rester plus longtemps. Alors justement, après votre très belle carrière, vous allez faire quoi? Mais continuer à faire plein de choses, m'amuser avec mes amis, avec ma famille, inventer, me donner plein de problèmes, puisque finalement on ne vit bien que quand on a des problèmes à gérer. Alors outre les problèmes, qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller? D'abord, je ne me réveille pas facilement, je ne suis pas un homme du matin. Plutôt un homme du soir, donc je suis assez calme. Ce qui me motive à me réveiller, la perspective de faire des choses amusantes avec des gens sympathiques. Et bien, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors, on va reparler de stratégie. Le message qui doit passer pour les étudiants, c'est qu'il n'y a pas de stratégie sans d'abord une bonne exécution, et que la stratégie, c'est quelques points très très simples qui ne méritent pas d'ailleurs un cours d'une année entière. 2 heures vont suffire. Oh, 1 heure, ce sera bon avec les questions. Alors on dit que les hommes de stratégie sont des hommes de pouvoir. Vous vous êtes bien placé pour l'affirmer ou le confirmer? Il faut tout à fait séparer cela. La notion de définir une vision ou d'exercer un pouvoir sont deux éléments différents qui peuvent être exécutés idéalement par la même personne quand on parle d'un leader. Mais on peut beaucoup plus, en tant que leader, se faire aider à une réflexion stratégique. On ne sait pas se faire aider à exercer le pouvoir. Alors votre journée type pour terminer? Ma journée type, me lever, prendre mon petit déjeuner, téléphoner à quelques amis, m'occuper des choses importantes et que des choses importantes au travail, et puis profiter de la vie après un certain âge. J'ai une baguette magique et je reviens au moment où vous n'avez pas encore racheté l'Ausfeld Fettin. Si c'était à refaire, vous recommencez? Et à cette époque-là, ce n'est pas ça que je pensais faire. Je terminais mes études à Louvain, j'étais lauréat du prix du ministre du Commerce extérieur, je partais au Pérou, j'avais dans ma poche un contrat pour aller en Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud j'avais un contrat pour aller chez P&G, Procter & Gamble, et je comptais faire un MBA par après. Et puis une opportunité s'est passée, et c'est ce qui a en fait le résumé de ma vie, c'est des opportunités, des rencontres qui m'ont chaque fois permis de faire des choses que je ne pensais pas faire, mais qui m'ont beaucoup amusé. Voilà, alors la chance nous a permis de vous avoir avec nous dans ce cours de stratégie internationale. Merci beaucoup et à très bientôt, Laurent Levaux. Merci à vous.